Absolu sur l'hippodrome. C'est parti pour 7300 mètres. Toutankhamon est tombé l'année dernière à cet obstacle, mais c'était lors de son deuxième passage. Est-ce que là, hop là, voilà. Alors que Yonetti est quatrième côté corde pour l'instant, 3-8 s'est bien rapproché. Alors Valéviva est en quatrième position avec Vinga en cinquième position qui précède Hulk de la Brune qui n'est pas loin avec 3-8 qui est tout près et qui précède Roy Gary qui est au centre. Yonetti est là tout près également. Garimal est à sa hauteur avec Toutankhamon qui maintient un petit avantage. Yonetti qui part à sa poursuite ainsi que Vinga maintenant et Roy Gary en quatrième position. Et ils sont deux, mano à mano, c'est-à-dire Vinga à l'extérieur, Yonetti en pleine piste. Avec maintenant Vinga, Yonetti, Vinga, Yonetti, Vinga qui prend l'avantage, Yonetti en seconde position. On est plus à bord du poteau avec maintenant Vinga qui s'impose, Vinga juste devant Yonetti. Alors Jackie, quand même, cette course est incroyable. Éleveur, propriétaire. Un grand moment. Félicité par le deuxième. Ouais, merci Gabi. Un grand moment. Elle a un nom prédestiné parce que son homonyme Vinga, qui est élevé par mon beau-père et ma belle-mère, avait gagné une grande crosse de peau. Je suis vraiment heureux pour tout le monde, je suis heureux et j'ai vraiment une pensée pour Philippe Thirier qui vient de perdre notre Saddler Maker. Alors, allez, cette course est pour lui. Merci Jacques Cyprès, merci beaucoup, merci. Et voilà le gagnant, et la gagnante Dédé. Alors Dédé, comment merci. Ça va ma Dédé? Oh c'est chouette non? C'est chouette oui, hein, c'est, j'y crois pas, tu passes du rire aux larmes en 5 minutes. Ah mais c'est toi qui l'as élevé, c'est tes couleurs. Ah bah oui, c'est mon mari, c'est moi couleurs. Elle était nommée Vinga en mémoire de mon père qui avait une très bonne Vinga. Et la Ménardière? Oui, la Ménardière, c'était ma ferme. Et en plus Vinga, elle était de la même origine, elle avait gagné le Gaston de Bataille à Pau, elle avait gagné à Auteuil, tu vois, elle est... Et tu passes à... Ah voilà, là c'est le moment, merci beaucoup. C'est ta casaque surtout. Bravo Dédé. Eh oui, Dédé, André Cyprès, bien sûr, bravo. Voilà, elle avait besoin de reprendre un peu ses esprits, Vinga, c'est pour ça que Jackie l'a fait trotter. De façon à ce que... Oui, bravo Jackie. Et qui, voilà, il demande à Emmanuel Clayeux, l'entraîneur, de venir le rejoindre. Attention derrière toi. Voilà, allez Dédé. Je pense à Fanny, à Nico et à Arthur, les enfants qui doivent être devant leur télé. Fanny à l'autre bout du monde, qu'on aime beaucoup. Et Nico et Arthur, et qui doivent être comme des fous, et toute la famille ici près. Et Emmanuel Clayeux qui est là, voilà, et qui s'occupe de la jument évidemment. Bravo Emmanuel. Félicitations. Merci. Alors ça fait quoi? Ben, ça fait, il faut que je réalise parce que c'était pas une course programmée au départ, on s'est décidé au dernier moment. Donc du coup, j'avais pas plus de pression que ça. Donc la pression est montée au fur et à mesure du parcours. Mais c'est énorme. Merci, merci beaucoup. Ouais, t'inquiète pas. Bravo, merci. Félix, bravo, bravo, félicitations alors que d'émotion. Un parcours extraordinaire. Oui, oui, c'était vraiment spécial. J'adore la cross et j'adore elle aussi. Elle est vraiment beaucoup encouragée. Elle aime le train comme ça parce qu'elle a vitesse. Et c'était parfait parce qu'il n'était pas beaucoup vitesse à le début. Donc en fait, elle peut juste voyager comme ça et venir pour les finis. Donc oui, vraiment, je suis très content pour tout le monde à l'écurie et pour Manuel Cléo aussi et les propriétaires. Oui, c'est super. Et pour toi, tu as quand même pris un pari à venir en France. Aujourd'hui, tu gagnes devant 20 000 personnes. C'était quelque chose, tu viens d'Angleterre? Oui, 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 c'est comme... Un petit Cheltenham, mais oui, c'est super. Une bonne ambiance, oui. Mais je dois... Alors l'anglais, évidemment, Félix de Gilles ne connaît pas la Marseillaise par cœur, donc il ne peut pas la chanter. Et aujourd'hui, ce n'est pas God Save the Queen, c'est bel et bien la Marseillaise que chante en cœur Jacques Cyprès et Dédé. Un sang impur, c'est rigolo. Pour une AQPS dans le temps, on les appelait les buveurs d'air.